c'est une activité de remobilisation des militants à la base pour voir là où l'Union progressiste avait failli lors des élections communales afin de renouer avec la victoire sur la ville de Boïko. Aujourd'hui, il est très clair que la jeunesse doit jouer un rôle important dans la stratégie de la victoire au niveau de la ville, les femmes également. Et donc, c'est des aspects que les dirigeants du parti au plus haut niveau doivent prendre en compte parce que l'électorat est jeune et l'électorat est féminin. Il faut tenir compte des aspirations de la population, il faut tenir compte des attentes de la population dans la constitution de la liste pour donner les candidats que les populations attendent afin qu'elles sortent massivement pour donner la victoire à l'Union progressiste. On ne peut pas dévoiler toute la stratégie au cours de cette activité. C'est une première d'une vaste stratégie de l'Union progressiste pour renouer avec la victoire au niveau de la ville de Boïkon et au niveau de la 23e circonscription électorale parce qu'il s'agit des élections législatives.